on va les récupérer tous comme ça, j'ai l'impression. On continue. Nous allons poursuivre notre route en direction du laboratoire de magismologie. Le quadrant bêta où nous nous trouvons en ce moment est un lieu de prédilection pour l'élevage de créatures chimériques. Celles-ci sont le résultat de manipulations génétiques et sont utilisées aussi bien dans la vie quotidienne que dans le cadre d'opérations militaires de haute envergure. Les créatures chimériques produites ici ont obtenu un label de qualité de 3 étoiles lors de la dernière évaluation conduite par le ministère de magismologie. Veuillez toutefois noter que cette évaluation a été attribuée il y a plusieurs millénaires. Par conséquent, il est possible que le comportement des dites créatures soit anormal par moment. Appréhendant, veuillez me suivre vers le téléporteur suivant. Ok. Bien joli comme zone, hein. Vraiment. J'ai l'impression de voir une route. Ah, je ne me suis pas pris du bon côté. C'est que ça trace vachement ces reptoïdes là. Mais toutes mes excuses, mais je viens de détecter une anomalie. Ce téléporteur est privé d'énergie depuis longtemps et risque de ne pas fonctionner correctement. Détection de panne au sein des conduits de ravitaillement. Les créatures chimériques semblent s'approvisionner en énergie de manière illicite. La source de l'anomalie devrait se trouver dans le laboratoire de recombinaison ainsi que dans le complexe d'incubation de masse. Bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire, peuple. Je vous laisse vous charger du laboratoire de recombinaison. Yashtola, Einstein et Estinia et moi allons nous occuper du complexe d'incubation de masse. Éliminer toutes les créatures devrait automatiquement faire revenir l'énergie. Retrouvons-nous ici une fois le travail accompli. Ben, on repart de l'autre côté.
emplacement 1. Du coup, j'ai l'impression qu'on va le faire à 2. Ah, elle m'a mis un truc juste avant. La pesanteur. Du coup, on va en avoir un troisième à faire, je suppose. Là-bas. Et on peut retourner du coup voir la sphère de guidage. Reprise de l'approvisionnement en énergie confirmée. Réinitialisation du téléporteur. Veuillez patienter un instant, je vous prie.
Ok, je vais activer le téléporteur. J'allais oublier les caramels D. Ceux-là sont certainement en train d'effectuer des réparations d'urgence sur leur immense aéronef. Pourquoi l'Empire s'intéresse-t-il à Azizla? Est-ce pour la technologie lagoise ou simplement pour conquérir de nouveaux territoires comme ils en ont l'habitude? Je voudrais mieux les éviter, même s'ils deviennent trop gênants, nous n'aurons d'autre choix que de les éliminer. Oui, mais uniquement en cas de légitime défense, hein. Nous devons rester discrets avant tout. Une détection d'un intrus au quadrant gamma ainsi que le contrat d'utilisation l'indique. Aucune confrontation avec les intrus n'est couverte par l'assurance. Cette clause concerne toutes les issues possibles de la confrontation, y compris la mort. À présent, nous allons nous diriger vers le quadrant delta où se trouve notre destination. Selon les informations fournies par le système de surveillance, les intrus s'y trouvent en très grand nombre. Veuillez vous assurer que vous serez en vie lors de nos retrouvailles. Tu vois les impérieux là-bas? On dirait qu'ils attendent quelqu'un. Il faudrait mieux les observer discrètement. L'objectif est au cœur de cette île. La troisième compagnie va rester en arrière, pour protéger l'aéronef, pendant que la deuxième va se disperser et neutraliser les mécanismes de défense à Lagoa. La première va m'accompagner pour prendre le contrôle du laboratoire de magismologie. Notre mission est de la plus haute importance. Les Alagua avaient découvert un moyen de capturer les primordiaux vivants, et leur savoir est caché sur cette île. En l'acquérant, nous serons capables d'empêcher ces entités de revenir nous menacer, et nous mettrons un terme à leur cycle de renaissance. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre réussite permettra à notre Légion de se hisser haut dans l'estime de l'Empereur. Qui plus est, Sa Majesté ne tolère aucun échec.
Que toutes les compagnies se préparent à se déployer. Qui a permis de capturer Bahamut et cacher ici. Emprisonner un primordial de cette façon est assurément un moyen d'arrêter le cycle des invocations. À condition de ne pas se soucier des risques, bien sûr. En effet. Il nous suffit de voir ce qui s'est déjà produit, notamment le retour destructeur de Bahamut, pour comprendre que ce n'est pas la solution que nous souhaitons. Même en captivité, ces êtres continuent de nourrir leur haine pour le genre humain. Et inévitablement, lorsqu'ils retrouvent leur liberté, leur colère devient incontrôlable. Peu importe ce que les gardes mal démijotent, ils peuvent attendre. Nous devons rester concentrés sur notre mission. Exactement. Retrouvons d'abord l'archevêque. Ok, on continue d'avancer. Savoir par où il faut passer en fait. Ah, peut-être par là. Il a trouvé le chemin plus rapidement que moi là. Par contre il fait tout à pied. Style.
Et selon toute vraisemblance, vous avez réussi à vous maintenir en vie. Toutes mes félicitations. Attention, intrus en approche. Veuillez les éliminer avant la poursuite de votre route. Part sur une bataille ensuite. Revanche impériale. Allez! Explique le silence radio de l'unité. Nous nous rencontrons de nouveau. Rien ni personne ne viendra nous gêner cette fois. Approche, héros des Orzea. Montre-moi de quoi tu es fait. Ma botte secrète! Allez.
m'a beaucoup parlé de ta force, guerrier de la lumière. Et maintenant que j'en ai eu une démonstration, la défaite de Van Baelsar me paraît moins inexplicable. Tu es un adversaire exceptionnel, et j'aurais aimé pouvoir te consacrer plus de temps. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai eu ce que je voulais, et par conséquent, je n'ai plus aucune raison de m'attarder ici. Vous autres, retenez-les. Ok, on va avoir une deuxième phase à cette bataille. Sale couard. Je dirais bien que nous n'avons pas le choix. Vous devez continuer. Nous allons les retenir ici. Prends l'œil. Il devrait contenir assez d'énergie pour te servir. D'accord. Je te rejoins dès que possible. Discuter. Dépêche-toi et arrête l'archevêque. Okay. Le téléporteur qui est activé. De guidage, du coup, nous sommes arrivés au quadrant Delta, le secteur consacré au développement des méthodes servant à contrôler les dragons. Vous trouverez ici de nombreux spécimens originaires du continent de Meracidia. Malgré le changement soudain de lieu de vie, leurs caractéristiques originelles sont intactes, voire à l'Empire d'Alag. La vitesse des montures a augmenté. D'avoir des vents. Un dragon en fer. Sir Pup, je suis heureux de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Selon les informations communiquées par le système de contrôle du cadran Delta, le téléporteur permettant l'accès au navire amiral est en panne. D'après l'historique, l'origine de la panne remonte à une déchirure de la coque il y a 2369 ans de cela. L'hypothèse la plus probable indique qu'elle aurait été causée par un ou plusieurs dragons. Il en résulte que je serai dans l'incapacité de vous servir de guide à partir de maintenant. Si vous désirez continuer, sachez que cela sera à vos risques et périls. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Ah, ok. Ah. On dirait que tu te trouves dans une impasse, mortel. Cependant, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que tu atteignes aussi rapidement le lieu de mon enfant est séquestré. Tends donc l'oreille
et écoute la complainte millénaire des dragons. Et il y a le 5000 ans des humains pleins de fierté et d'arrogance. Simplement parce qu'ils avaient bâti un empire, ont envahi la terre natale du nombre de mes enfants. Cette terre s'appelait Marasidia. À la manière des Isicardés d'antan, ils craignaient et respectaient les dragons, autant qu'ils voulaient s'approprier leur pouvoir. Un jour, ils ont décidé de dominer le monde en inventant des machines toutes plus maléfiques les unes que les autres. Tu as devant toi le résultat de cette tragédie. Va à la rencontre de mon enfant. Celle dont les lamentations résonnent jusque dans les nuages. Celle qui a tant souffert de la guerre que lui ont déclaré les humains et les dieux. Ok. Oh. Ok, c'est joli aussi par ici. Dragon géant est enchaîné à un immense édifice. Ah oui, celui-là, d'accord. Parcourant les terres d'Aedelin.
Zaydelin. Du cristal, mon enfant. La lumière resplendit de nouveau dans ton cœur. Vaillamment, tu as surmonté tes nombreuses épreuves. Mais ne relâche pas ta vigilance. Car les serviteurs des ténèbres sont toujours à proximité. Reçois ma bénédiction. Va et laisse ta lumière éclairer tous les êtres. Tu t'es libéré de mon étreinte. Et tu as retrouvé la bénédiction d'Aidelin. Tu es fort, mortel. Plus fort que tous ceux des tiens que j'ai connus. Ayant été témoin de tes actes, je suis désormais convaincu que tu es digne de sa lumière. Un ancien pacte m'a lié à toi, mais il semble que le destin devait nous unir depuis le début. Je ne combattrai pas à ta place, mais je te prêterai mes ailes.
RERP. Bienvenue. On vient de récupérer la bénédiction d'Aideline à Azisla. Viens, mortel. Ensemble, nous allons chasser les ténèbres. Ah, je vais récupérer une nouvelle monture. Alors, vous pouvez désormais chevaucher Midgardzorm pour l'appeler sélectionné dans la liste des montures. Très bien. Et on récupère les vents éthérés à Azisla.